C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Bon, bah raconte-nous la blague de Dijon. Tu la connais pas celle-là, toi? Non, je connais pas la blague sur Dijon. Non, mais vas-y, toi, raconte-la. Mais non, vas-y. Allez. Bon. Qu'est-ce que... On dit que l'amour fait quoi à Dijon? Je sais pas. On dit que l'amour tarde. Ah oui. Ah bah oui. Voilà. Elle est pas... Bah si, si, elle est mignonne, ça va. Bon, bah moi je vous laisse. Quoi? Non, mais c'est ma blague qui l'a fait fuir. Non, non. Faut juste que je travaille. Tu vas pas partir maintenant? Bah si. T'es sérieuse là? Ça fait 2 semaines qu'on essaye de se voir tous les trois et toi tu te barres maintenant? Mais t'es chiante en fait! Non mais elle écrit un truc, c'est important. Elle écrit un truc, mais tu peux attendre 1 heure pour écrire ton truc. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est toi qui parles! À chaque fois j'essaye d'organiser des trucs pour tous les trois et toi t'es jamais dispo, il faut que tu sois chez toi à 23h. Non non mais commence pas, me prends pas la tête avec ça, tu sais très bien que c'est compliqué avec mes parents, ok? Juste j'en parle. C'est oui, tout. Mais moi je veux pas en parler! Ok. Je dis juste que c'est à cause de toi, si on peut pas se voir tous les trois, si on peut pas sortir ensemble. Je suis pas là, peut-être. Ce soir, je suis là. Bon. Mais si, t'es là, mais tu te casses dans 1 heure, c'est relou. Ben justement, tu peux attendre 1 heure avec nous. Il faut vraiment que tu trouves une solution à tes problèmes, Marion. Tu veux finir vieille fille? Mais t'as la solution, toi? À 23h01, mes parents, ils ont fermé la porte. Je suis dehors, je suis coincée, je fais quoi? Tu te trouves un appart. Toi, un appart, putain, je gagne 500 euros par mois. T'as un appart à 300 balles, toi? Bah ouais, la coloc, ça existe. Mais non, pour la coloc, faut des garants, j'ai pas de garants. Mais pourquoi tu demandes pas à tes parents? Ah non, 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 c'est mort. À eux, je demande rien, ok? Non, c'est mort, j'ai déjà réfléchi, tu crois quoi? Après, si ça peut aider. Enfin, il y a mon coloc qui est parti. Enfin, il a fini ses études et du coup, il a laissé sa chambre. Donc, il y a une place de libre, si tu veux. Enfin, c'est 400 euros par mois. Bah voilà, tu lui fais un prix d'amis. Ouais, carrément. Bah ouais, ça pourrait le faire, ça. Il faut que je réfléchisse et tout, mais en vrai, ça serait cool. On en reparle si tu veux. Merci. Cool. Je reviens. Ouais. Yes! Calme-toi. Ok. Non mais, tu crois pas que je vois ton petit jeu, toi? Pourquoi tu peux pas passer une soirée avec lui? Mais je sais pas, mais il est sympa. En fait, il est trop sympa. Je sais pas, il m'aime trop, tu sais, ça me gêne. Mais ça te fait pas du bien de te sentir séduisante un peu? Bah si, mais je sais pas, c'est un pote, tu vois, j'ai pas envie de... Allez, fais un petit effort. Mais non, fais un effort, non, je fais pas d'effort si j'ai pas envie, bon... Juste une soirée. Il sera trop heureux. Non mais... T'as vu comment il te regarde? Non mais je veux pas. T'es relou. Vous êtes tous les deux célibes. Je sais pas, une petite partie de jambes en l'air de temps en temps, ça fait pas de mal. En fait, tu me demandes de le dépuceler, là, c'est ça? Tu m'apprises pour quoi? Non, mais ça va, c'est marrant. C'est marrant? Mais oui, non, mais je pense que c'est un bon coup. Il est doux, à l'écoute, gentil. Tu feras tout ce que tu veux. Non, mais t'es vraiment... Non, mais... Laisse tomber. T'as combien sur toi? De quoi? D'argent. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'argent, des trucs en papier là qu'on donne à l'échange de services. Bah tu vois, on peut s'arranger. 20 balles. 40. Ça va? Ouais. Bon bah... Je vais vous laisser. Ok. Ah tu t'en vas finalement? Ouais, j'ai du travail. Bonne soirée. Salut. Ouais, salut. Fais pas beau, demain. Fais pas beau.